try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Oh yes, la programmation. Allô? Bonjour monsieur Dupont, Sean Goldstein, producteur chez Beaufréquence à l'appareil. On a écouté votre EP et on l'adore, on veut que vous fassiez le tournée avec Judas Priest. Ah ouais, sérieux? Non, je déconne, c'est Théo, il y a la programmation qui vient de sortir. Arrête ton cul et ramène-moi du Kleenex. Ok. Yo! Alors cette programmation? Oh mon petit gars, si tu savais, je t'ai même préparé une petite surprise. Allez, viens sous le bois. Oh, super. Comme je sais que tu les attendais avec impatience, je me suis permis une petite surprise. Tada! Alors, ça te plaît? T'es vraiment un gros con en fait. Ouais, on a une place sur la planche. Ah, et Deftones a pas été annoncé non plus. Bonjour à tous et bienvenue pour cette saison 2 de Make It Loud. On est fiers de vous accueillir pour une nouvelle saison de franche rigolade et de grosse musique métal. Maxime, salut, tu vas bien? Ça va, je suis parti en vacances. On s'en bat les couilles, mais alors qu'est-ce que c'est Make It Loud? Rappelons le concept de l'émission, c'est de vous faire découvrir les petites perles insoupçonnées, mais aussi les groupes cultes du Hellfest 2016 pour vous faire voyager de scène en scène. Et on s'est dit, pour cette fois-ci, on va faire original, on va lancer la saison 2 avec un coup de feu symbolique. Si ça te tente, Maxime? Pourquoi pas? Et bah c'est parti alors. Eh bien, j'annonce officiellement le début de la saison 2 de Make It Loud. Voisin du dessus, il est pas censé être aux vacances? Si. À moins que ce soit le voisin du dessous. Et il est temps de démarrer cette saison numéro 2 avec la présentation du premier groupe. Et on a décidé de faire dans l'original cette fois-ci, puisqu'on a inséré les 130 premiers noms annoncés par le Hellfest dans ce petit sachet ici présent que je tiens dans ma main. Et on va tirer le premier nom, et évidemment, ça sera le premier qu'on présentera. Suspense. Et nous allons vous présenter Offspring. Turnstile. Et commençons notre périple de la découverte musicale QV 2016 avec la présentation du premier groupe et qui sera la grosse mandale de la Warzone cette année. Un groupe qui n'a rien à envier aux pointures du genre présentes cette année sur la Warzone comme Converge ou encore Sick of It All. Je veux parler bien sûr de Turnstile et son groupe hardcore, venu tout droit de Baltimore, pour la vibe. Turnstile sera un des petits bébés de la Warzone cette année puisque le groupe ne s'est formé qu'en 2010 seulement et n'a sorti que deux EP et un album qui d'ailleurs n'a été publié que depuis janvier 2015 seulement. Preuve de la confiance du Hellfest envers cette petite troupe de louveteaux du hardcore. Pas convaincu? Rassurez-vous, ces trois productions sortiront sur le label reconnu Reaper Records, produisant notamment les scuds de groupes talentueux comme Madball, Terran ou encore Meroder.
Mais pourquoi donc Make It Loud a-t-il décidé de vous présenter ce groupe en particulier? Si Turnstile ne réinvente réellement rien en mélangeant dans leurs albums fougue de la jeunesse et hardcore culte des années 90, il est important de savoir que les Kids de Baltimore injectent dans leur musique une bonne grosse dose de riffs bien groovy qui feront rappeler à certains les plus belles heures de Rage Against the Machine. Et ça ne saurait faire justice au son de Turnstile en affirmant qu'ils ne sont qu'un groupe de groove hardcore, puisque le groupe distille également des influences variées et diverses comme du rap rock, du hardcore alternatif ou encore du post-hardcore, tout en gardant une ligne directrice bien précise, celle de vous faire sauter dans tous les sens en gueulant, tel un putois, des paroles simples et accrocheuses. Si vous aimez donc vous faire péter le dos, casser les jambes, défoncer la mâchoire, ou encore vous faire péter la rondelle, ou tout simplement kiffer votre concert, nous vous invitons à vous rendre sur les terres de la Warzone pour découvrir Turnstile et son groove hardcore. Parlons dès à présent du deuxième groupe, tout aussi jeune que Turnstile, mais qui a connu un succès critique et public avec une rapidité défiant toute concurrence. Un groupe qui renverse avec facilité les codes vestimentaires ou encore musicaux très chers à nos amis Metalhead, et ce qui explique quelque part le succès retentissant de ce groupe. Mesdames et messieurs, Ghost. Tous les fans présents lors de l'édition 2013 du Hellfest vous le diront, Ghost a botté bien des curons en se produisant sur la main stage lors du tout dernier concert de cette édition. Et ce n'est pas étonnant de les voir si haut cette année dans l'affiche, tant la prestation aura été acclamée pendant et après celle-ci. Mais pourquoi Ghost a-t-il mis une claque aux fans de musique métal, et notamment à notre post-producteur préféré, Gros Maxou, ici présent et qui est désormais incollable sur le groupe. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Questions pour un gros con. Aujourd'hui, on retrouve Maxime. Maxime de Corrèze, c'est ça ? C'est ça. Maxime est fan de Jambon de Bayonne, de la Coupe du Monde 98 et des Santiago Retro. Excellent choix. Alors, Maxime, on joue, attention, messieurs, dames, on joue pour un Larousse. Un Larousse, édition 2015. Maxime, 30 secondes, 5 questions. Prêt ? Oui. Combien t'il y a eu de Papa Emeritus depuis la création du groupe ? 3. Bonne réponse. Qui a produit le premier EP de Ghost sorti en 2013 ? Devrol. Exact. Quelle est la marque du synthétiseur qu'utilise un des membres du groupe? Mouk Fati Little Sèche Tout. Exact. Qui a écrit en 1949 Comment je vois le monde? Albert Einstein. Ouais, exact. 45 x 22 moins 14 plus 3. 979. Putain, t'es pas con en fait. La raison de ce succès se tient en deux raisons majeures. Et avant de vous présenter ces deux raisons majeures, on va vous parler un peu de la carrière du groupe. Les 6 membres du groupe nous viennent tout droit de Suède, un pays qui n'a eu de cesse de nous pondre des groupes tous plus cultes les uns que les autres au fil des années comme Entombed, Infames ou encore Hammerfall. Et Europe ? Que ? Europe ? Bah ouais, tu sais, ta-la-la-la, ta-la-la-la... Tu l'as cherché. Ghost nous balance son premier disque Opus Eponymous en 2010 et la critique est déjà dans la poche. Va suivre une tournée aux USA couronnée de succès et plusieurs festivals européens, dont notamment le Hellfest en 2011 et 2013, renforçant la popularité naissante du groupe. 2013 sera une année importante pour nos chers Suédois de Ghost, puisqu'ils sortiront d'abord un EP en association avec Eprol, ici présent, batteur de Nirvana ou encore chanteur chez les Foo Fighters, c'est pas rien, et cet EP sera fait de ballades vitaminées, des reprises principalement pop-rock metal. Et viendra surtout la sortie du deuxième album tant attendu par les fans de Ghost, intitulé Infestissuma, mais qui contient notamment le titre phare du groupe, intitulé Monstrous Clock. Ah, 2015, la sortie enfin tant attendue du troisième et dernier album de Ghost, intitulé Meliora. Très attendu par le public mais par aussi la critique et qui propose deux choses. D'abord, un nom d'album beaucoup plus facile à prononcer que les prédécesseurs, mais surtout, l'affirmation définitive du son Ghost. Et il est temps de vous parler maintenant de la double raison qui a fait le succès de Ghost. La raison numéro 1 est flagrante. Ghost adore jouer avec les codes vestimentaires et les clichés pouvant en découler. Chez Ghost, on adore les masques, à tendance baroque comme ces masques rappelant l'époque vénitienne.
On adore aussi les concerts, rappelant étrangement ses messes sous Papa Emeritus, pied de nez à la grande institution catholique qu'est le pape, nous délivre la sacro-sainte parole de Lucifer sous forme de chansons dispersant une certaine forme d'éloge à Satan. Chez Ghost, on aime aussi le maquillage, notamment celui de Papa Emeritus, ce masque le protégeant de sa réelle identité, encore source de mystère pour de nombreux fans, même si son identité semble avoir été révélée depuis quelque temps. Hitler aussi, on adore les masques. Et avec Hitler aussi, on adore le maquillage. Et on a aussi un humour de merde. Mais la raison majeure de ce succès vient dans le son proposé par Ghost. Ghost est à la fois lugubre mais doux pour nos oreilles, sombre dans son jeu scénique mais terriblement attachant dans ses mélodies permettant de s'attirer la sympathie du fan de métal lambda comme celle du plus puriste des puristes. Un groupe se jouant des codes qui font le métal dans sa globalité tant sur l'aspect musical que scénique et rien que pour ça, ça mérite d'aller les voir. Les Fantômes proposent un son qui contrebalance avec l'esthétique traditionnelle et la folklorie vestimentaire ou encore d'ambiance dont les groupes de black metal raffolent. Alors que l'on pourrait s'attendre à un son sale, bruyant, rapide à l'excès, Ghost nous offre un rafraîchissement de ce rock revival à tendance psychédélique des années 70, où on fait la part belle aux mélodies légères surmontées de guitares électriques à l'approche heavy metal. Rajoutez à ça une bonne dose bien ironique de chœur chantant la gloire de Satan et Behemoth, et vous obtenez un son mystique de cathédrale à la fois lugubre, mais popisé juste comme il faut pour ne pas tomber dans le cliché d'une simple messe que nous pourrions craindre. D'ailleurs, il est important de rappeler que les premières personnes qui critiqueront négativement cette fois-ci le groupe feront partie majoritairement de la scène black metal. D'ailleurs, il est important de noter que cette année, Ghost viendra au Hellfest et fera surtout un show exclusif pour le Hellfest. De quoi donner envie. Voilà, c'est désormais la fin du premier épisode de la saison 2 de Make It Loud. On espère évidemment qu'il vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons présenté que deux groupes, hein, Turnsteel et Ghost. On a décidé de garder ce format, on ne présentera plus que deux groupes et non trois. Ça nous permet d'aller plus rapidement dans la composition, la création et surtout la publication de ces vidéos. Donc c'est tout le monde y gagne au change en fait finalement. Donc on espère qu'elle vous aura plu évidemment cette vidéo. Et n'hésitez pas à la partager, la liker, la donner à vos potes, Facebook, blablabla, bidule, on partage, blablabla. Bref, vous connaissez déjà le message. Vous savez quelle est la formule que je vais commencer maintenant. Maxime, merci beaucoup pour ce premier épisode. On se resserre la main. On se resserre la main pour conclure cet épisode de la meilleure des manières. Et évidemment, on se retrouve très vite pour le deuxième épisode. Et surtout, vive le rock'n'roll. Vive le rock'n'roll. Sleeping in your bed. Oh, who you gonna call?